Et bonjour à tous, c'est Coris, on se retrouve sur Red Dead Redemption 2. On va rejoindre Charles. J'ai juste fait un arrêt sur le chemin parce qu'il y a des sources chaudes ici et des geysers. Juste, je voulais vous montrer, voilà. Tant il y a des geysers qui se déclenchent. Je sais pas si on en voit un. Arrêtez de trop s'approcher que ça nous gicle pas la tronche. Cette phrase sera totalement sortie de son contexte. Allez pas. Sympa, je trouve ça très sympa d'avoir mis les geysers. On peut soigner un peu ce pauvre canasson qui en a vécu des vertes et des pas mûres. Hop là. Ah oui, voilà. Oui, ça va tout doux. Ah bah, regarde, ça se passe bien. Un petit bain. Voilà. Bon, les soins en piscine, c'est devenu assez régulier pour tout ce qui est articulation chez les chevaux. Ça marche, non? Bon, ceci dit, du coup, tout en galopant pour rejoindre la zone, j'étais tellement en train de me dire que j'espère de tout cœur. C'est des mouflons? Non, c'est des femelles rapetis. J'espère de tout cœur que Charles va dire c'est bon, je me barre. Qu'il va dire qu'il ne reviendra pas et qu'il reste avec les Indiens. Même si c'est le condamné. À long terme, c'est le condamné parce qu'ils vont clairement avoir des gros soucis d'ici peu. Donc je suis pas certaine que ça soit une super nouvelle s'il le fait. Mais j'ai envie qu'il soit loin de Dutch. Donc. Clairement, il va avoir envie de défoncer la gueule de Dutch là. Ça me semble compliqué pour qu'il réagisse autrement. Toutes ces poules là-bas. Allez, Charles. Tout. Hello, Charles. Thank you for coming. Of course. The chief, he's very. Il est dans quel état le gamin déjà? Oui, mais le gamin, il est dans quel état avant que j'aille voir le chef, que je sache s'il est en deuil, si. Non? D'accord. Bon, on va dire que. Qu'il sera dans l'attente avec nous, comme ça on le saura, hein? Parce que sinon, j'ai aucune idée de ce qu'il y a. Hello? Come in. Mr. Morgan, I'm so glad you could make it. How are you? My son. My son is. Non, il parle pas au passé, donc. Still my son. I know your son. A little. He's very brave. Very angry. He's me. How is your father? He's dead a long time. He lived a lot longer than was good for any of us. My son probably wishes the same to me. I doubt that. I want peace. I need my people to be safe. All my life I've tried to bring peace. But I love my son. They'll hang him for treason. Oui, ben ça, forcément. He is the chief son of a proud nation. How could he commit treason? People who have lied to my people for 100 years or more, that's treason. Well, what should I do? I don't think there's much Ça va être compliqué là. Colonel Favre. No. In any chance we have, oui, bah oui. Your friend, Mr. Vanderland, has ensured relations between us and the army are worse than any point in the last 5 years. I'm sure he means well. Non, il vous veut pas du bien, non. Complex and he understands. Les yeux d'Arthur, ils font peur. Me and Charles will try and rescue your son. No. Yes, yes. I ain't got much to lose, and you got. I'm doing this. Charles. Non, mais par contre, on risque de perdre Charles. Come on, let's go. We need to get his son back, of course. I just ain't sure how. I've been working on that. I think there's a way.
Non mais à la limite, toi tu restes là et nous on y va. Je le sens tellement mal pour sa gueule. Allez. Je t'aime bien moi Charles, j'ai pas envie que t'ailles crever pour les conneries de Dutch. Oh, ça c'est une grosse vache. Je viens de passer de... Je veux pas que tu crèves. Oh, il y a une vache. Ouais. Bon, bah, allons-y, hein. Dis-nous tout. Ah, dans le fort, carrément. The army are patrolling all the main roads and bridges in and out, but if we can get the horses across the river, I found a route that should get us in fairly close. If we wait until late enough, there's a place we should be able to sneak in around the back. Okay, whatever you think. I trust you. No guns, just knives and arrows. If we start making a lot of noise, ah bah là, oui. We'll be dead before we get close to him. Okay. I left two canoes down river in case we need another way out of there. Okay, good. Ok, ok, bon, Charles réfléchit déjà plus aux choses que Dutch, hein. Dutch. It ain't just on Dutch. We all went along with it. He saw Eagle Flies burn hot, and he fanned the flames. He's not helping that tribe, he's helping ah, ça, totalement. You see that, or you wouldn't have gone to Rain's Fall behind his back. I guess I just keep thinking. There must be a way to save the situation. Non, c'est plus la peine, Dutch il s'enfonce tout seul. I like Rainsfall. I don't know, Arthur. Rainsfall is in a tough situation. And that's for Dutch. I gotta try. Mais y'a plus rien à faire. T'essayes depuis deux chapitres là de lui faire comprendre. You feel that? There's rain on the wind. I know. Listen, Charles. If it goes bad in there, you get yourself oui. Out. You got more to lose. Clairement. No. Come on. Don't start talking like that. I didn't tell you before, but I saw a doctor. It's pretty bad. But it's gonna get worse. Oh, Arthur. Any day we can die. Hmm? Oui, enfin. Oui, c'est vrai qu'on risque de... Oui, effectivement, on fait comme ça. Ouais. And what about the calendar boys? Both killed trying to escape Blackwater? More vicious pair of bastards than ever was. And that's all they ever were and will be. Maybe. You're lucky. You got the chance to... to do something better. My guess is maybe that's why you're here now. Either way, just keep your head strong. We're close now. Ouais. Non, mais en soi, il a pas tort. Hein. Mais je préfère tout savoir en vie, quoi. Ah tiens, forcément. Yeah. This isn't gonna be nice. Bah c'est normal, enfin c'est normal. C'était obligé, en tout cas, qu'il y ait ce genre de réplique, hein. C'est normal, clairement pas, mais c'est obligé, ça. Je m'y attendais, quoi. Mes armes. Mes armes. Ah non, il m'avait laissé là. Let's get ourselves hidden and wait till it gets dark. Over here. J'espère que j'ai assez de flèches. Je suis en train de capter. Ça peut être utile. I guess this is it. I guess it is. Let's keep quiet. I'm trying to find a way in. Main thing is that they don't hear us. You ready?
Et tu n'agis pas comme un con, tu te sacrifies pas d'une façon débile, s'il te plaît. Et oui, voilà. Patrol group. Hopefully we'll be in and out before they can come back around. Let's deal with those two at the gate first. You take one, I'll take the other. Tu veux qu'on s'occupe de qui? Ah, c'est devant. Il a dit lequel? Oh! C'était pas ce que je voulais faire! C'était pas ce que je voulais faire! Oh bon sang, entre cette. La vidéo précédente et celle-là. Il faut vraiment que je reprenne le jambe. Là, là, là. Bon. On va refaire la petite marche. Hein. All right. You ready? Et c'est là que tourne à toi. Voilà. Yes. Keep down and follow me. Patrol group. Hopefully we'll be in and out before bon, bah, comme ça, on a pu voir un peu à quoi ressemblait la patrouille. Et du coup, et je vais pouvoir savoir s'il m'avait dit droite ou gauche parce que du coup, je sais pas. There's two guards up front. If you take one, I'll take the other. Nice and quiet. Il m'avait dit aucun des deux. Okay, come on. Let's see if we can get around the back. Stick to the wall. Et pourquoi on les a défoncés si There's a guard right above us. Pourquoi on a défoncé les mecs si c'était pour pas passer par la porte d'entrée parce que du coup là je sais plus comment on se colle contre les murs. On va dire que ça suffit. He's moving. Come on. Oui, mais du coup, ils vont voir les cadavres à l'entrée. Ils vont donner l'alerte aussi. C'est un peu con. Il y a un mec là. Deux autres. Un dans la tower, un sur le ground. Same as before. You take one, I got the other. Je vois pas où le deuxième, donc je te laisse le deuxième, voilà. Ah, il était là-haut. Good. Just a bit further on here. Je vais profiter pour récupérer la flèche. This is the spot. Voilà. Il est passé où? Le pépère, ah. Mais Charlie est tellement classe, il est tellement cool. J'ai tellement pas envie qu'il lui arrive du malheur, sérieusement. Ça glisse, hein. There's a guard coming. Okay. Quick, this way. Par contre, faut abattre l'autre là parce que sinon, ça va servir clairement à rien. Voilà. En plus, je récupère les siennes. Ça va partir en fusillade dans tous les sens, hein, on est d'accord. Il me donne des fusils depuis tout à l'heure.
Try to put an arrow into the lantern above that stack of wood over there. Start a fire. Attends, je suis en train de chercher comment monter déjà. Clear shot from the walkway up there. Il y a l'air d'avoir personne. Rejoignez la passerelle. Tirez discrètement sur la lanterne, celle qui est là. J'ai tiré dessus là. Qu'est-ce qu'il vous faut ? C'était moche. Là, il a fallu trois flèches quand même. J'espère qu'on a la clé parce que sinon. Voilà. Hein. C'est bon. Ça c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Et on se barre très 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 vite, s'il vous plaît. Avant de devoir défoncer la moitié de la zone. Oh putain, ça c'était une porte. Come on. Non, non, il est. Non, il didn't say that. Of course not. You okay? Oh, il est un petit peu cabossé. Enjoy being tortured. Clears the mind. Il garde des traits, il continue à faire des traits d'esprit, donc tout va bien. Il va être impossible à sortir. Et on est dans la merde. Bon, on va commencer par changer d'arme. Shit. I don't think we're sneaking out. Où ça, où? Où ça, où ça? Là-haut. En même temps, on se prend tout à force sur la gueule, non mais. On va aggraver les choses, c'est tout ce qu'on fait. Et en passant, dis Charles, je me sens mal pour sa survie à long terme. Ou alors il va se barrer, il va abandonner. En tout cas, dans tous les cas, on n'a plus la fin de mission, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le mur. Je dois de la dynamite dans mon sac. Je m'en sers tellement jamais. Ah, peut-être, mais la dynamite c'était pas bien. Voilà. Ah, et mon cheval qui arrive direct. Ça, c'est une bonne cocotte. Allez, brume. Oh merde, c'est pas ce que je voulais faire. Ça l'a occupé deux secondes. Putain, mais. Tu veux essayer de savoir, toi ? Ils sont où ? Là-bas. Ah bah, tu m'étonnes. Ah,
est juste à côté. Aïe! Ouh, ça fait mal. Je fais des échecs sur échecs, c'est assez effroyable. Mais du coup, par contre, les canoës, j'ai une question con, mais j'espère que mon cheval suit juste intelligemment celui du celui de devant parce que je ne regarde pas du tout ce que je fais. Et il y en a un juste. Ah! Si on prend les canoës, on fait quoi des chevaux? C'était la question en fait. Il a essayé de descendre son cheval, mais j'ai pas compris. Oui, bah laisse-moi une seconde. Non! Non, 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 non! Attendez. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il y a un icône là sur mon canasson? Oui, bah une seconde, je fais mon cheval. Permets? J'attends de sauver mon cheval! Là! Parce qu'après, je vais perdre la mission alors. Et oui, et maintenant? Bon, moi je veux bien, mais ça marche comment votre connerie de canoë? Ah bah voilà! On va finir dans les rapides avec ces conneries. Pour les canassons, j'espère qu'ils vont se barrer. Par contre, je peux pas tirer pendant que je suis en train de faire ça moi. Oui, je peux pas tirer. Oui, bah oui, et puis j'ai pas d'arme de toute façon, donc au moins c'est vite vu. Oui, bah ça sera peut-être pas plus mal, au moins ça bougera. On fera des 6 moins faciles. Il y a les chevaux qui suivent, j'ai entendu venir derrière. Ah, c'est les chevaux des mecs. Donc c'est pas bon signe. Je commence à en avoir marre derrière, je vais vous le dire. Je me prends des balles dans la gueule depuis tout à l'heure. Voilà, c'est obligé, mais on peut pas se défendre. Comment on est censé faire? Bon, au moins j'ai Brume qui a envie. Hein. Allez! Oui, bah je tapote, ouais, mais bon, ça fait pas tout quoi. Et en plus, voilà, là par exemple, j'avance. Rien. Mais tu veux que je fasse quoi? Je peux pas me servir de mes armes. Ah si, je peux. Attendez. Ah si, je peux me servir, mais uniquement de mes pistolets. D'accord. Ça va être chiant. Juste ça bouge bien.
D'accord, bah, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Je voyais qu'on voyait pas, enfin je voyais que les armes étaient grisées, donc j'ai supposé qu'on pouvait s'en servir d'aucune, mais j'ai pas pensé que ça. C'est juste que les autres armes, il a besoin des deux mains, donc forcément ça, il faut pas lâcher la pagaille. Aussi pour la lâcher deux secondes, de toute façon c'est ce qu'il fait quand je pense sur les pistolets, il me semble. Mais... non, par contre vous me faites pas piquer un cheval, hein, ça suffit. Ah, il a un bordel. Ah, puis alors pour le souffle, tu fais de l'exercice, mon gars. I think we lost them. Come on. You okay, Arthur? Yeah, I'm right. Ça se voit pas? How are you? I'll be fine in a day or so. I heal fast. Colonel Favors won't be too happy with your rescue. Ah, ça certainement pas. Yes, not. Yeah, there's gonna be a lot more trouble. Je pense que là, à ce niveau-là, on ferait mieux d'essayer de changer de coin. You won't win. No big fight with them. Shouldn't y'all just run away? Bon, Charles s'en est sorti en vie jusqu'ici, donc je suppose qu'il va pas, il va pas, il va nous lâcher à la fin. I'm fine. Let me take you back to your phone. Thank you. No mention. Non, il nous dit rien. Bon bah peut-être que, peut-être pas du coup. Il galère. Ouais. Allez, courage. En même temps, il me l'use là, à le faire courir dans tous les sens. Là, je peux rien faire. Hein, et... ça fait mal. Ça fait mal psychologiquement de le voir comme ça. Allez, mec, on se lève. On s'en range pas. Hein. Allez. C'est pas ça. Tiens. C'est quoi? C'est une plante que je connais pas? Ah, le monde sauvage, j'en ai pourtant ramassé un petit peu déjà. Ah, ma cocotte. Bon, que disent les missions? Et il n'y a plus que celle de Sadie. Il n'y a plus que celle de Sadie. Ok, ok. Eh bien, écoutez, la prochaine fois, ça sera celle de Sadie, du coup, hein, sans surprise. C'est loin. C'est un petit peu loin. C'est un petit peu loin. Je vais peut-être aller prendre tranquillement la diligence pour entrer. J'ai pas une histoire de voyage rapide normalement, moi. Je suis en train de capter. Repère. Il me semblait que j'avais un voyage rapide sur certains endroits, mais c'est pas grave. Ok, et bah écoutez, on s'abandonne ici pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour la suite. Allez, à toutes.